Sud, présenté par Unie Coopération Financière pour la compétition d'athlétisme. J'ai le plaisir de vous présenter celles qui vont remettre les médailles de bronze et les médailles donc pour les médailles de bronze pour les épreuves féminines. Elles sont Emma Saint-Pierre, membre du comité consultatif jeunesse de Unie Coopération Financière. Pour les médailles d'argent pour les épreuves féminines qui seront remises, elles seront remises par Guylaine Légacé, présidente de la Société des Jeux de l'Acadie. Et les médailles d'or pour les épreuves féminines seront remises par Audrey Casey, membre du comité consultatif jeunesse Unie Coopération Financière. Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles. Remise des médailles pour les filles 12 et 13 ans aux 800 mètres. La médaillée de bronze dans un temps de 2,46,70 sud-est, Michelle McLeod. La médaillée d'argent dans un temps de 2,44,65 de Madawaska Victoria, Maeva Deschênes. Et la médaillée d'or, dans un temps de 2,33,40 de Kent, Madeline McKinnon. Bravo, mesdemoiselles. Merci. Alors qu'on voit les finalistes pour les garçons 12 et 13 ans, j'en profite aussi pour vous présenter ceux et celles qui présenteront les médailles pour les épreuves masculines. Nous avons Jolène Duguay, membre du comité consultatif jeunesse de UNI, qui va présenter les médailles de bronze. Celle qui présentera les médailles d'argent pour les épreuves masculines est... Il sera, pardon, Yves Arsenault, vice-président de la Société des Jeux de l'Acadie. Et pour la présentation des médailles d'or pour toutes les épreuves masculines, nous accueillons Caroline Martel, membre du comité consultatif jeunesse de Unie Coopération Financière. Bienvenue. Les médaillés pour les garçons 12 et 13 ans aux 800 mètres. Le médaillé de bronze de la Nouvelle-Écosse dans un temps de 2,29,02, Zachary Collier. Le médaillé d'argent dans un temps de 2,27,60 de Madawaska Victoria, Noah Sear. Et le médaillé d'or, dans un temps de 2,27,38 de Sud-Est, Oscar Hébert Cregan. Les médaillés pour les filles 14-15 ans aux 800 mètres. La médaillée de bronze dans un temps de 2,36,54 de Restigouche, Katharina Lewski. La médaillée d'argent dans un temps de 2,35,94 de Sud-Est, André Roy Beausoleil. Et la médaille d'or, dans un temps de 2,29,24 de Kent, Émilie Doucette.
dans l'épreuve des garçons 14 et 15 ans aux 800 mètres. Le médaillé de bronze dans un temps de 2,25-29 de Restigouche, Simon-Luc Diat. Le médaillé d'argent dans un temps de 2,25-25 de Terre-Neuve, Labrador, Charles-Antoine Boudreau. Et le médaillé d'or dans un temps de 2,13-29 de Chaleur, Antoine Roy. Remise des médailles pour les garçons 14-15 ans aux 200 mètres. Le médaillé de bronze dans un temps de 25,12 secondes, le Sud-Est, Simon Melançon.
mener leur rang dans un temps de 24,81 secondes de la péninsule acadienne, Brendan Haché. Et le médaille d'or dans un temps de 24,72 secondes de Madawaska Victoria, Jérémy Michaud. Francis. La technologie nous coupe des fois. Le médaillé d'argent avec un meilleur lancé de 34,29 m de sud-est, Jake DeWare. Le médaillé d'or avec un meilleur lancé de 35,64 m de Kent. Zachary Bro. Merci, messieurs. J'ai les filles 14 et 15 ans au saut en hauteur. Elles sont grandes, ça devrait être des sauteuses de hauteur. La médaillée de bronze avec un meilleur saut de 1,40 m de sud-est, Avery Herb. La médaille d'argent avec un meilleur lancé de 1,46 m de chaleur, Héloïse Haché. Que vous pouvez voir, elle s'était très échauffée jusqu'à la fin, aussi avec un meilleur saut de 1,46 m, de Restigouche, Kirsten Hicks.
Merci, mesdemoiselles. Remise des médailles chez les garçons 14-15 ans au lancer du disque. Le médaillé de bronze avec un meilleur lancé de 32,57 m de Madawaska Victoria, Mathieu Lavoie. Le médaillé d'argent avec un meilleur lancé de 37,69 m de la péninsule acadienne, Maxime Alain. Médaillé d'or, je m'excuse, avec un meilleur lancé de 40,05 m de Kent, Riley McIntosh. C'est bien, la camaraderie est au rendez-vous. Bravo, messieurs. J'ai les filles, 12 et 13 ans, au saut en longueur. Avec médaillée de bronze, avec un meilleur saut de 3,90 m de la péninsule acadienne, Annabelle Haché. La médaillée d'argent, avec un meilleur saut de 4,02 m de la Nouvelle-Écosse, Taylor Brooks. Et la médaille d'or avec un meilleur saut en longueur de 4,19 m de Kent, Danica Poirier. Merci, mesdemoiselles. Mettons dans la catégorie du lancer du poids chez les garçons, catégorie parents. Le médaillé de bronze avec un meilleur lancer de 4,44 m de chaleur, Patrick Leblanc. Le médaillé d'argent, avec un meilleur lancé de 4,49 m de sud-est, Rémi Ouellette. Et le médaillé d'or, avec un meilleur lancé de 5,85 m de sud-est, Nicolas Legacy. Merci. Prochaine remise des médailles chez les filles para au lancer du poids. La médaillée d'argent avec un meilleur lancé de 2,81 m de sud-est, Janie Ouellette. La médaillée d'argent avec un meilleur lancé de 4,21 m de l'île du Prince-Édouard, Sophia Allen. Bravo, l'île du Prince-Édouard. Et la médaille d'or avec un meilleur lancé de 5,30 m de chaleur, 12 ans,
Christelle Doiron. Merci. Merci, mesdemoiselles. Merci bien. Vous pouvez monter tous ensemble sur la marche du haut, si vous le désirez. Voilà. Quel beau sourire. Merci. Et maintenant, pour la catégorie de remise des médailles, pour les garçons 14-15 ans aux 2000 mètres. Le médaillé de bronze dans un temps de 7 minutes 05,99 de Madawaska Victoria, Gabriel Lebel. Le médaillé d'argent dans un temps de 6,57,53 de Kent, Marco Richard. Et la médaille d'or, dans un nouveau record des Jeux de l'Acadie, un temps de 5,59,47 de Sud-Est, François Richard. Et pour compléter le tour, chez les filles 14 et 15 ans, aux 2000 mètres, la médaille de bronze dans un temps de 7,22,86 de Kent, Gabrielle Côté. La médaille d'argent dans un temps de 7,12,22 de Restigouche, Annika Lee. Et la médaille d'or dans un temps de 7 minutes.00.28 de Sud-Est, Madeleine McLeod. Et voilà qui complète la remise et cérémonie des médailles. Nous vous remercions beaucoup à tous. Félicitations aux athlètes. Merci bien sûr à toutes les délégations et aux volontaires représentants. On se revoit ici demain. Bonne soirée.